Au monde d'aujourd'hui, nous allons parler du chocolat. Bien déballé, ça doit être bon. On mange pas un chocolat emballé. C'est pas mauvais. Miam. Bon, le chocolat, c'est vrai, c'est un drôle de sujet. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un chocolat qui râle, donc je blague pas. Il y a un chocolat géant. Bon. Ben, c'est parti. Le chocolat, ben, vous le devez le savoir, ça part à partir d'un cacaoyer. Alors, nous sommes en très grand manque de cacao. Oui, c'est vrai que le cacao, pour faire du chocolat, on ne trouve pas que sur tous les cacaoyers. Il y a quelques cabosses. Les cabosses, c'est ce qui enveloppe le cacao. Pour des milliers de fleurs. Mais alors, pourquoi il n'y a que quelques cabosses? Il n'y a quelques cabosses, tout simplement, parce que ben, les fleurs, elles ne sentent pas. Donc si vous sentez une fleur de cacaoyer, eh ben, elle sent rien. Il y a juste quelques moucherons qui viennent polliniser, mais pas assez. Du coup, ben, on se retrouve avec quelques cabosses contenant quelques centaines de cacao. C'est pas énorme. Hein. Un Français a besoin de 8 cacaoyers. Non, mais vous imaginez, 8 cacaoyers pour un chocolat. Un Français, quand même. Moi, à mon avis, c'est 18 cacaoyers. Non, 30 cacaoyers. 1000 cacaoyers, ouais. Ça doit être vers les 100. Vers les 100 cacaoyers, moi. Bon. En fait, on broie le cacao. On le broie. On broie. Parce que c'est acide. On broie. Et on le chauffe. Et ensuite, au bout de quelques transformations, on obtient quelque chose qui ressemble à du chocolat, mais c'est pas du chocolat. Il faut encore un petit peu plus le raffiner pour obtenir un magnifique et beau chocolat. Miam, 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 miam. J'imagine encore plein de chocolat là. Miam, 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 miam. Bon, pour faire simple, les ingrédients qu'il faut pour faire un chocolat, c'est du cacao, du sucre et du beurre de cacao. Le beurre de cacao, il s'obtient assez facilement. Bon. Et vous savez, on obtient aussi une galette quand on veut faire du beurre de cacao. On obtient une galette et du beurre de cacao. La galette, on la broie ensuite pour obtenir la fameuse poudre de cacao qui sert à faire le chocolat chaud. Alors, bon. Ben c'est tout pour le chocolat. Ah, le chocolat blanc. Le chocolat blanc. Ce fameux chocolat. Magnifiquement bon aussi, que j'adore. En fait, il ne contient pas de cacao. Du beurre de cacao, du sucre. C'est tout. Mais il faut le raffiner, etc. Bon. Mais au revoir. Au revoir.